It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. Yo les gars, c'est Loki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée, un nouvel épisode de ma série Loki fait le point, et je suis super content de faire cet épisode aujourd'hui parce que sur Twitter, là ces derniers temps, j'ai vu pas mal de comparaisons PC, Mac, j'ai vu des personnes sur ma vidéo de graphisme qui disaient oh putain, le mec il est sur Mac, vas-y, il a rien compris, ça sert à rien, les logiciels c'est les mêmes, c'est juste plus cher et beau, franchement c'est vraiment de la merde, ceux qui sont sur Mac ils comprennent rien. Donc voilà, ça m'amusait un petit peu, j'ai dit bah écoute, y a pas de souci, je vais faire une vidéo. Voilà, j'ai vu plein de petits commentaires, je me suis dit bah, ça peut être un super sujet d'éclairer pas mal de personnes, donc je vais vous prendre en gros dans cette vidéo les principales questions que les gens se posent et les clichés entre guillemets. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Au passage, la barre des likes elle a changé en fait, maintenant faut liker en cliquant sur le petit pouce au niveau de la barre du like. Donc voilà, si vous voulez tester sur cette vidéo, je vous incite à rien, mais voilà, on peut essayer de mettre un petit like. Voilà, ça mange pas de pain. Alors on est parti, donc dans les questions qui sont souvent posées, on a par exemple un Mac, c'est plus facile, donc ça c'est des phrases qu'on entend un peu partout. Alors le Mac c'est pas vraiment plus facile à appréhender par rapport à un PC, c'est simplement que c'est plus homogène, dans le sens où chez Apple, que vous ayez un Mac, un iPhone et tout, tout est conçu finalement pour être ensemble au niveau du matériel ou du logiciel, c'est fait pour être cohérent, fluide, et voilà, c'est un ensemble qu'on reconnaît, c'est ergonomique, c'est intuitif. Si on veut faire telle ou telle chose, on sait vraiment où aller, et c'est ça qui est un gros point fort chez Mac, c'est que voilà, ça paraît propre et clean, que vous n'avez pas 36 000 trucs différents, quand vous cliquez dans l'un, vous vous retrouvez dans l'autre, l'interface a complètement changé, le design et tout, voilà. Sous Mac, c'est ergonomique, c'est conçu pour être ensemble. Et du coup, on a l'impression que c'est apparemment simple. Mais voilà, après, il y en a qui s'y retrouvent plus facilement, ça dépend des goûts, des couleurs. Il y a par contre un petit point qui est du coup un peu dommage sur Mac, c'est que c'est pas fait pour modifier ou changer ses composants. Sur PC, c'est vraiment quelque chose qui est cool. Mais voilà, du coup, si vous changez tout ce qui est composants, les logiciels, etc., du coup, vous êtes plus dans cet ensemble abouti, vous êtes plutôt dans des choses qui deviennent un peu plus différentes, et c'est un peu plus chiant parfois à gérer. Voilà, après c'est question de choix. Au niveau des Mac, vous pouvez changer en général sur les iMac la mémoire et le disque dur par exemple, et les Mac Pro vous pouvez changer beaucoup plus de composants et vous rapprocher du PC, mais là par contre il va falloir mettre beaucoup plus cher, et c'est quand même un facteur important hein. Quand vous achetez un PC, le prix, voilà, c'est quand même quelque chose à pas négliger. Donc voilà, Mac c'est un peu plus simple au niveau de l'apparence, c'est fait pour être ensemble, donc on s'y retrouve plus facilement, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes trouvent ça plus facile. Au niveau des logiciels, c'est un petit peu pareil, vous avez beaucoup moins de logiciels présents sur Mac, enfin je dis beaucoup moins. En gros, dans chaque catégorie, des logiciels de base, par exemple pour la vidéo, vous avez des très bons logiciels, pour la photo exactement pareil, vous avez de très bons logiciels dans toutes les catégories, c'est juste que tous les petits logiciels que vous pouvez retrouver sous PC, ils sont pas forcément dispo sur Mac. Voilà, mais vous y retrouvez très bien. On va dire que sous Mac, les logiciels qui y sont sont vraiment bien programmés, c'est bien fini. Tandis que sous PC, voilà, vous avez également de très bons logiciels, mais vous avez aussi beaucoup de petits logiciels un petit peu poubelles, vous n'êtes pas sûr de comment ça marche, si c'est fiable, etc. C'est pour ça aussi que sous Mac, l'installation et la désinstallation est beaucoup plus simple, parce que comme je vous l'ai dit, vous avez moins, mais on va dire, c'est au top. Vous êtes presque sûr que votre logiciel va être bon sous Mac, tandis que sous PC, vous avez beaucoup plus de choses qui sont créées, etc. Donc après, comme je vous le dis, ça dépend de votre utilisation. Il y en a qui s'y retrouvent beaucoup plus sur PC, parce qu'ils sont plus fouineur, il cherche telle ou telle chose. Voilà, sous Mac c'est un peu plus simple, plus cohérent. Donc voilà, au niveau des phrases de toutes les personnes qui disent que le PC ça plante beaucoup par rapport au Mac, alors c'est vrai dans le sens où un ordinateur généralement ça plante à cause d'un programme extérieur, donc que ce soit quelque chose chopé sur internet ou n'importe, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on parle souvent que les ordinateurs Mac ça marche mieux et ça plante moins, c'est simplement finalement que le système d'exploitation il est en général globalement très stable, et que tout ce qui est gestion du matériel c'est vraiment de qualité, comme je vous l'ai dit juste avant, on privilégie vraiment la qualité. Et pourquoi c'est très stable, c'est tout simplement fait du fait
fait que les ordinateurs Mac sont un peu plus standardisés. On va dire que sous PC, vous pouvez dévier, que ce soit au niveau des composants, que ce soit au niveau des choses à faire, voilà, plein de choses. Le Mac, c'est un peu plus réduit. Vous avez beaucoup moins de pièces de disponibles si vous voulez changer les composants. Et ça fait que finalement, pour que ces pièces aillent bien ensemble, que ce soit bien agencé, que les combinaisons fonctionnent et soient au top, et bah du coup vous en avez beaucoup moins sur Mac. Sur PC vous pouvez faire tellement de combinaisons au niveau des composants que finalement parfois ça va pas vraiment concorder. Et du coup ça va plus planter. Mais après, encore une fois, si vous faites attention, il n'y a pas de souci. C'est pareil au niveau des virus. Les virus, vous avez l'impression que sur PC il y a énormément de virus par rapport au Mac. Alors c'est vrai, mais ça dépend encore une fois de votre utilisation. Dans le sens où sur Mac, les failles de sécurité, elles sont beaucoup moins nombreuses que sous Windows. Sur quoi on se réfère pour dire ça? C'est tout simplement les mises à jour. Vous avez beaucoup moins de mises à jour sur Mac que sur PC. Et si ces failles de sécurité sont moins nombreuses sur Mac, c'est aussi parce que il y a beaucoup moins de monde sur Mac et que du coup bah les hackers s'intéressent moins aux failles de Mac parce que bah ça va toucher beaucoup moins de monde. Donc du coup finalement Mac reste un petit peu dans son coin, reste de son côté avec des choses un petit peu plus de qualité mais beaucoup moins de choses présentes, en fait c'est ça. Donc du coup on reste dans d'avoir accès à beaucoup plus de choses, de fouiner, de bricoler et d'être sous PC, mais finalement d'être un peu plus exposé au risque, ou être sur Mac et être un petit peu être dans son cocon, quoi, dans son truc. Et puis voilà, être un peu moins exposé, c'est logique finalement. C'est pas question que la marque est mieux ou moins bien, c'est une question de logique. Les virus, les hackers sont moins intéressés par un marché qui est plus petit, c'est normal. Alors, on entend aussi beaucoup, les ordinateurs Apple sont beaux mais chers. Alors ça, c'est quelque chose qui me fait assez rire parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, de toute façon, chez Apple, vous payez la marque, c'est juste beau, mais c'est de la merde. Alors, c'est sûr que il y a un petit effet de mode qui se fait chez Mac, dans le sens où le PC se consomme un peu plus comme un outil et le Mac c'est un peu plus un objet de luxe, voilà. Donc c'est aussi quelque chose d'un peu ridicule, certes c'est l'aspect marketing qui prend le dessus, mais il faut quand même avouer les gars que les Macs sont quand même super jolis. Alors certes, il y a des PC qui sont de plus en plus jolis, etc. Mais faut dire qu'un Mac, c'est moins encombrant, c'est plus clean au niveau des finitions. Voilà, votre ordi, vous n'allez pas avoir une tour d'un modèle, l'écran d'un autre, avec... Voilà, le Mac, c'est clean, c'est propre. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est important chez Apple, c'est de faire quelque chose de haut de gamme et de ne pas faire seulement des choses belles, mais aussi de faire des choses qui sont au top de la technologie. Et c'est pour ça que vous avez vraiment moins de choses sur Mac aussi, parce que dès qu'ils veulent sortir un truc, ils veulent quelque chose de stable, qui est cohérent, qui est peut-être plus long à développer, mais qui sera sûr et qui sera, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus standardisé. Vous n'avez pas 15 000 logiciels pour telle ou telle chose. Voilà, sur PC, vous avez beaucoup plus de choses de développer et de disponibles. Mais voilà, je vous avoue que les Mac, pour moi, c'est quelque chose c'est joli, un Mac, mais après, vous avez aussi cet effet de mode qu'on paye et on paye la marque, comme les iPhones qui sortent tous les 6 mois. Vous avez un nouvel iPhone qui finalement change au niveau du design et pas grand chose au niveau de la technologie. Alors vous avez aussi la phrase, le Mac est mieux pour la création et le PC pour la bureautique. C'est quelque chose d'ailleurs, un argument que j'ai donné à un abonné. J'ai dit, moi pour créer, pour faire du Photoshop, pour faire mes vidéos, je préfère largement Mac. Alors pourquoi je préfère Mac? Parce que c'est quelque chose qui est reconnu, c'est que les applications audio et vidéo, c'est particulièrement réussi, et tout ce qui est programme. Par contre, tout ce qui est programme de bureautique, tout ce qui est programme pour jouer, etc., c'est bien plus puissant sur PC. Alors c'est pour ça que au niveau de l'audio, de la vidéo, vaut mieux être sur Mac si vous voulez faire que ça, donc que ce soit de la création graphique, de la création pour faire des vidéos sur YouTube, vous allez être mieux sur Mac, le rendement va être un petit peu meilleur. Mais par contre, si vous voulez tout ce qui est programme de bureautique, etc., allez sur PC, c'est beaucoup plus puissant. Alors il y a quelque chose aussi qui se véhicule finalement grâce à cet aspect simple de Mac, c'est que vous avez l'impression quand vous êtes sur votre Mac que c'est plus le côté loisir et plaisir qui est privilégié, et que sous Windows c'est plus le côté productivité où vous pouvez gérer vos fichiers. C'est intelligemment fait d'ailleurs sous PC pour gérer vos fichiers, pour aller dans les fichiers, pour explorer les failles, etc. C'est sous PC que c'est le mieux. Donc voilà, c'est un choix de la marque Apple d'être vraiment de faire quelque chose de finalement simple, cohérent, rapide, efficace, et de s'amuser. Voilà, c'est intuitif, c'est ergonomique, c'est ludique, c'est tout ce que vous voulez. Et par contre sous PC en fait c'est beaucoup plus large, vous pouvez vraiment bricoler votre ordi, le faire comme vous voulez,
allez voir dans les recoins, etc. Si vous voulez exploiter votre ordi au max pour que votre jeu soit au top. Voilà, après c'est vraiment un choix d'utilisation. Donc en gros, si vous voulez utiliser, vous êtes un utilisateur lambda, je vais conclure vite fait. Si vous êtes un utilisateur lambda qui veut utiliser votre ordi classiquement et que vous voulez quelque chose de pas trop cher, vous prenez un PC. Mais vous prenez un PC, il y a trois choses en gros à faire attention. Il faut prendre un PC si déjà vous choisissez soigneusement les composants. Choisir les composants, ça se fait pas n'importe comment. Il faut essayer de prendre des choses qui vont ensemble pour éviter voilà tout ce qui est bug, pour éviter que votre ordi plante. Voilà, c'est comme si vous mettiez, je sais pas, deux personnes de caractère opposé ensemble, ça va pas forcément coller. Si vous mettez deux personnes de même caractère, ça va coller. C'est un petit peu pareil. Si vous mettez une carte graphique avec une mémoire différente encore, avec de la RAM différente, avec voilà un processeur, plein de choses différentes, bah ça va pas forcément coller à chaque fois et aller ensemble. Donc faites bien attention si vous prenez un PC, etc., de bien choisir les composants, sauf si le PC est déjà monté. Il faut aussi veiller à l'utiliser correctement, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, sur PC, vous avez plein de logiciels, plein de choses sur internet qui sont un petit peu dangereuses. Et du coup, faut éviter de désinstaller, d'installer n'importe comment plein de choses, parce que du coup, il y a plein de petits trucs qui peuvent se greffer que vous n'allez pas forcément faire attention et ça va vous amener des virus. Donc voilà. Il y a aussi le plaisir d'assembler sa machine qui est énorme sous PC. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui kiffent monter des PC, qui quand il y a une nouvelle, une nouvelle carte graphique qui sort, bah pouvoir la changer simplement sans changer tout le PC, d'être à la pointe de la technologie tout le temps pour tel ou tel jeu. Voilà, c'est quelque chose qui est important si vous choisissez un PC. Voilà, bah c'est le kiff tout simplement. Et au contraire, si vous préférez prendre un Mac, c'est plutôt que vous n'êtes pas trop bricoleur, que vous voulez quelque chose de simple. Qui plante pas trop, voilà, qui va fonctionner, qui va être certes un peu plus réduit au niveau des logiciels, mais qui va être vraiment développé au top de la technologie pour tout ce qui est vidéo, tout ce qui est audio. Alors vous pourrez aussi avoir un maximum de productivité en ayant un minimum de soucis. C'est l'intérêt de Mac, c'est vraiment ça qui me plaît moi dans le Mac. Mais par contre, je reconnais que pour streamer, etc., c'est pas forcément le top parce que c'est pas encore bien optimisé. Donc voilà, c'est des choix qui se défendent les deux. Sous Mac, faut être prêt à payer un peu plus pour avoir vraiment quelque chose de qualité, de fiable, qui sera peut-être un petit peu plus réduit si vous cherchez vraiment à jouer. Quelqu'un qui cherche à jouer va clairement aller sous PC parce qu'il peut bricoler, parce qu'il peut avoir un choix qui est beaucoup plus large. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'utilisation, ça dépend vraiment aussi de l'utilisateur, comment il gère telle ou telle chose. C'est deux machines qui sont complètement différentes. Moi personnellement, je kiffe les deux, même si j'ai un peu plus de mal sur PC, parce que quand vous êtes habitué à un Mac, finalement vous vous souciez pas de tout ce que vous faites. Et encore une fois, moi c'est parce que mon utilisation elle est comme ça que sous PC j'ai parfois un peu de mal. Donc voilà, ça dépend, faites peser bien le pour et le contre, votre utilisation. Il y a aussi quelque chose qui est à prendre en compte, c'est le budget. Mais voilà, moi clairement je suis pas déçu du Mac. Pour streamer avec le PC, je sais que je peux jouer, je peux streamer sans problème, donc je suis pas du tout déçu du PC non plus. Ça se discute, ça dépend des goûts et des couleurs. J'espère en tout cas que ma vidéo vous aura appris des choses et que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à me proposer en commentaire votre avis et à me proposer aussi d'autres sujets, pourquoi pas. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Loki, n'oubliez pas le petit like. Allez, ciao tout le monde. And I just can't keep living this way, so...